Je voudrais établir quelques vérités sur la prière parce que c'est un 40 jours de prière. Luc chapitre 18, le verset 1er. La Bible dit que Jésus leur donna une parabole pour leur montrer. Il faut toujours prier et les points se relâchent. J'aimerais ici encourager quelqu'un dans la prière. Peut-être qu'il arrive que tu te dises que je sois gîme jour pour ce 40 jours. Je viendrai tel jour et l'autre jour, je ne viendrai pas. Non, j'ai déjà programmé mes 20 jours sur le 40. Mes 30 sur le 40. Mes 30 sur les 40. Et la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et le point se relâcher. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens qu'on prie sans cesse. Écoutez-moi bien-aimé. La prière, c'est cette activité terrestre pour une intervention céleste. Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire quand il veut. Mais la prière, c'est cette activité qui appelle Dieu à rentrer en action dans ta vie. Alléluia. Amen. Un prédicateur de renom a dit que Dieu ne fait rien jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui prie. Alléluia. Amen. Si tu veux que le chose bouge, que les limites soient effacées, que le borne soit retiré, soit un homme, une femme et de prière. La prière ouvre le ciel. Luc 3:21. La Bible dit que tous se faisaient baptiser. Mais pendant que Jésus priait, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel. Oh, je viens dire à quelqu'un, même si les sorciers de ces coins, même si les sorciers de ta famille, même si ce sont les sorciers de ta tribu, de tes origines, se sont réunis, ils t'ont ensorcelé, ils t'ont envoûté, et que ton ciel, est devenu obscur. Mais la prière, et particulièrement la prière de ces 40 jours, la prière de ces 40 jours est en train d'ouvrir ton ciel. Et d'ailleurs, je vois déjà ton ciel ouvert. Je vois déjà ton ciel ouvert. Parce que la Bible dit, ce n'est pas après la prière, mais pendant qu'il priait, pendant que tu es dans la prière, pendant ces 40 jours, le ciel est ouvert. Et vous savez ce qui se passe quand le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, la voix se fait entendre. Et la colombe descend. L'image de la visitation. Je dis à quelqu'un, ces 40 jours de prière ne passeront pas. Tu vivras la visitation de Dieu une après une autre. Tu n'as quelqu'un pour parler. Mais le Dieu de la prière est celui qui avait fait entendre la voix. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais la prière, c'est le plus grand qui parle en sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Soit dans ce programme de 40 jours. Ça va être si vous fallait battre l'Obélaïo, le plus puissant des temps que l'Obélaïo. Amen. Oh, il passera même dans leurs songes. Il passera même dans leurs songes. Il passera même dans leurs visions. Il passera même par les membres de leur famille.
voir. Ça sera pour ta faveur. La prière apporte le changement. La Bible dit que pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage change. Écoutez-moi bien aimé. Si quelqu'un t'a dit, depuis aussi que tu te rends au semel, prière sur prière, offrande sur offrande, main sur la main, louange sur louange. Dis-le, Dieu fait chaque chose, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ah, Dieu, ça y est. Et je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Comme vous aviez vu un prophète de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que la saison est bonne. Parce que quand Dieu envoie un prophète, c'est pour qu'il annonce. Après le temps d'annonce, il y a le temps de confirmation. Et après le temps de confirmation, c'est le temps d'accomplissement. Il y a des choses que Dieu accomplira en cette saison pour toi. Le visage était changé quand Jésus priait. Le visage. L'aspect de son visage changea. Écoutez-moi bien aimé. Qui peut te dire que tu es fini? Dieu a envoyé son serviteur, son roi, Ézéchias. Donne des ordres dans ta maison parce que ta vie va s'arrêter ici. Écoutez-moi bien aimé. Ézéchias a dit oui, j'ai écouté l'ainsi dit l'Éternel. Mais il y a une activité, qui me donne le privilège d'aller rencontrer, d'aller entrer en contact avec un autre ainsi dit l'Éternel. Parce que le Dieu de la prière, c'est un Dieu qui parle continuellement. Ce n'est pas si hier. On avait déjà dit que pour toi c'est fini. Même si c'était venu par un homme de Dieu, et que cela est tout non, par la prière, ce toi est Dieu. Et Dieu peut tout changer et surprendre même le porteur du message. La Bible dit après qu'Ézéchias a eu prié, Dieu a retourné le même homme de Dieu pour lui dire que j'ajoute dans les années de sa vie 15 ans. Je viens dire à quelqu'un la lobby par la prière, plusieurs possibilités sont. Amen. Que ta vie est finie, que tes études sont finies, que ce fiançailles-là est arrêté, que ce mariage-là est arrêté. Qui t'a dit cela? Le Dieu de la prière et le Dieu de la continuité de choses bonnes. Makambo malamo va continuer la vie. Parce que le Dieu de la prière est le Dieu qui soutient les bonnes choses. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Vous savez ce qui est arrivé à Anne par la prière. Alléluia. Il arrivera même que les gens se trompent sur ta situation. Non, ce n'est plus normal. Comment cette femme, toujours, jour pour jour, elle a 40 jours, mais elle ne se fatigue pas. Comment cet homme, jour pour jour? Mais ils ne savent pas qu'il y a un secret dans la maison de Dieu. Alléluia. Pénina reste dans la maison. Moi je monte à Silo. Et c'est là que je vais séjourner. Je veux dire à quelqu'un. Et je vais annoncer à quelqu'un. Le séjour de ces 40 jours dans la maison de Dieu. Le séjour pendant 40 jours dans la maison de Dieu. En prière. Oh Dieu laissera un impact considérable dans ta vie. Amen. Oh, 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 oh.
au travers de ces séjours, au travers de ces séjours, les 40 jours dans la maison de Dieu, Dieu laissera un impact considérable. Oh, tu trouveras le chemin, même dans le désert, Dieu le mettra. Le fleuve même dans la solitude, le fleuve même dans la solitude, il était dans la solitude, mais Dieu a fait couler le fleuve de louange et des adorations. Oh, le fleuve des cantiques. Voilà pourquoi elle a chanté en louant le Seigneur dans 1 Samuel chapitre 2. Oh, elle dit que Dieu, celui qui abaisse, celui qui élève, celui qui fait mourir, celui qui fait vivre, celui qui appauvrit, celui qui enrichit, c'est celui-là le Dieu des entrées, le Dieu des sorties et des entrées. Amen. Alors je proclame et je prophétise. Je déclare, je proclame et je prophétise. Non, tu n'es pas là. Je déclare, je proclame et je prophétise. Non, je disais que je déclare. Je déclare, je proclame et je prophétise que Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir de la mort. Parce que celui qui fait mourir est celui qui fait vivre. Et il te fait rentrer dans la vie. Oh, celui qui appauvrit, celui qui enrichit. Dieu te fait sortir de l'appauvrissement. Il te fait rentrer dans l'enrichissement. Oh, ce soir, je le déclare. Je prophétise et je proclame. Ce Dieu-là, il te sort. Il te sort de l'abaissement. Il te sort de l'abaissement. Quelle humiliation. Il te sort. Il te sort de l'abaissement. Quelle humiliation. De mépris de gens. De rejet de gens. Et ce Dieu-là, ce Dieu-là, qui est l'air, te fait rentrer dans l'élévation. Si c'est ta portion, viens avec moi, je le reçois. Je le reçois. Amen. C'est le Dieu des entrées et des sorties. C'est le Dieu des sorties et des entrées. Il est ce Dieu-là. Le Dieu des sorties et des entrées. Ce qui va m'aider à dire que je suis un peu plus de temps. Mais il y a un peu. Alléluia. Amen. Où est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Oh, je sens tellement une onction ici. Nous sommes vraiment que le Seigneur nous aide à parler de sa part. Nous parlons déjà de sa part, nous voulons juste transmettre encore cette pensée. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Il a été inspiré par Dieu à son serviteur. Et que n'a pas moi, que ce moment soit le moment de prière. Où la pensée est les sorties et les entrées. Alléluia. Amen. Jacob vivant ces choses. Jacob a pika kamakamboyo. Dans la chez Laban. Et pas à Laban. Jacob dans Genèse 32 verset 26. Jacob dans mon caplango, il y a Genèse mon caplango tout comme il balait. Fait une forte déclaration. Salari tatolimo ko makasi. Jacob fait une forte déclaration. Jacob salari tatolimo ko makasi. Il dit à l'obi, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Anakoti kaka yo te soko pamboninga ti. Jacob fait une confession de foi. Jacob y a qu'un accusal et tatolia condima. Alléluia. Amen. Sur le chemin, Nazela rencontrant l'ange. Akutana qui n'a point. Lutta avec lui. Abunda qui n'a yé. Et Jacob déclare. Mais Jacob a tatolé sa foi. Condima na yé. Au Seigneur. Et pas nakolo. Je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Nakoti kayote yamboyo pambolanga. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Yokama molenga vie. Je crois de même. Que Jacob, Jacob qui avait fait cette déclaration, cette confession de foi, il y a aussi un homme qui l'en a fait
aussi. Et cet homme, c'est David. Et ça fait David. Alléluia. Amen. Parce que David, comme Jacob se disait, pourquoi Jacob a dit si seulement je rate ces opportunités, peut-être que je ne le retrouverai plus. Tant que ce sont pas aux gens, déjà je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a de certaines opportunités qui ne reviennent pas deux fois dans ma vie. Comme ces moments de prière, je le sens tellement puissant et profond. Et c'est comme ça qu'il fait cette déclaration. Alléluia. Amen. Que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À l'exemple de ce que Jacob avait confessé. Jacob a quel contact là? Écoutez-moi bien aimé. La déclaration ou la confession de foi, c'est ce qui appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi, Pélissou, ça crée et Kelaka. Alléluia. Amen. Et clairement. Nous arrivons à dire que la prophétie appelle et la déclaration crée. Merci. Écoutez-moi bien. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors que plusieurs vies sont poursuivies par la mort. Et la mise à mina koufa. Parce qu'on ne veut pas que tu sortes de certains environnements sur lesquels on maintient. On ne veut pas que tu sortes de certaines lois, de certaines filles qui te sont imposées. La servitude, la captivité, alléluia. Amen. La condamnation, le blocage, le freinage. Et quand l'ennemi veut que tu sévisses, que tu souffres, sous que les ténèbres laissent en activité, c'est l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait que lorsque l'esprit de mort est en action dans ta vie, ta sortie est du lieu sombre. Ta sortie est du lieu sombre. Ta sortie de l'emprisonnement. Ta sortie de la servitude. Ta sortie de la captivité. Ta sortie de la malédiction. Rentrer dans ta bénédiction. Est presque impossible, mais ce n'est pas impossible. Ah, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, David voit le décor. Dans Psaume 118, il voit le décor. Comment être planté autour de lui. Et il remarque dans le verset 6e de Psaume 118, il dit l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand vous entendez quelqu'un s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il redoute une menace des hommes. Pourquoi il peut citer les hommes si les hommes n'ont rien contre lui? C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a une mauvaise action des hommes à son endroit. Les hommes ne veulent pas qu'il sorte. Alléluia. Amen. Qu'il sorte de cette emprise. Le ténèbre pour entrer pleinement dans sa destinée. Et il dit que peuvent me faire le sang. Écoutez-moi bien. Je vais essayer d'aller rapidement. David voit le menace des hommes. Il y a de certains
menace les hommes qui peuvent représenter aussi certains éléments pour comprendre que quelqu'un est dans un lien de l'esprit de mort. Et je crois que ce soir tu sortiras de ce lien-là au nom de Jésus. Il dit, les nations m'environnent. Les nations se liguent contre moi. Écoutez-moi bien aimé. Tout complot qui ne vient pas de Dieu, même si une nation ou des nations se liguent contre moi, ils vont tomber ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit encore qu'il me pousse pour tomber. Ici, il y a une présence de l'oppression. Plusieurs sont ici. Ils sont poussés par d'autres hommes. Homme ou femme, pour faire un mal, pour voler, pour prendre ce qui est autrui, pour commettre l'adultère, l'infidélité, pour mentir, pour à cause ça, ils sont oppressés. Le monde des ténèbres exerce une pression sur eux afin de le mener ou de le pousser dans de mauvaises actions pour prendre un contrôle total sur leur vie. Mais je viens déclarer que pendant ce moment de prière, où le ténèbre perd le contrôle sur ta vie au nom de Jésus. David a dit, mais comment le homme me menace, le nation se ligue contre moi, et il y a de l'oppression dans mes songes, je fais de mauvaises visions, il y a de mauvais conseillers, et quand je gaffe, qui veulent que je commande des horreurs, ils me donnent des conseils pour mon malheur, ils veulent que je tombe dans la prostitution, que je tombe dans le mensonge, que je tombe dans le vol, ils veulent que je tombe dans les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est cela l'oppression qui ne sorte que David pouvait aussi vivre. Et ces choses donne accès aux ténèbres d'avoir l'emprise sur toi, et toi qui étais à quelques pas de sortie, que tu sois encore lié. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais donner quelques signes et puis nous allons couler dans la prière puisqu'il me reste quelques minutes. Écoutez-moi bien. David est conscient de ces choses. David il déclare une parole forte. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le premier pas vers la délivrance, c'est la conscience. Merci. Connais ton Dieu et aie aussi les informations de combat dont tu fais face. Connais ton Dieu et aie aussi la révélation des batailles que tu as à livrer. David regarda et il vit que le décor n'était pas bien. Le décor était planté de telle sorte qu'il soit amené à la mort. De telle sorte qu'il soit fini. De telle sorte qu'on mette un terme à sa vie. Et David dit non. Avant que je ne m'engage à de grandes luttes, la foi est une porte de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit
Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et David a fait une déclaration de foi. Oh, je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit, porte tes déclarations de foi pendant ce moment de prière. Que ce que tu déclareras avec foi arrive au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la lame. Ne fais pas passer les choses comme cela. Même quand tu vois un mauvais songe, il voudra tromper ta vigilance. Pendant que toi tu es en prière, tu vois encore les maris, les femmes des nuits. Tu vois encore un songe. Donc tu te vois en train de manger des choses bizarres. Tu te vois dans une situation compliquée dans le songe. Lorsque tu t'élèveras, lorsque tu t'élèveras, confesse d'abord ta foi. Apocalypse 12 à 11. Oh, confesse ta foi. Oh, il l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est la victoire par celui qui m'a aimé. Ne va pas par mille détours, mille chemins. Déclare ta foi. Confesse ta foi. Alléluia. Et la foi est une arme. Alléluia. Écoutez-moi. La mort ou l'esprit de mort. Ou carrément, sinon nous parlons ici le lien de l'esprit de mort. Ou si tu veux bien le lien de la mort. Si tu veux donner un thème à mon message, pendant que je vais rapidement même pour chuter, c'est la victoire sur le lien de la mort. Parce que tu ne peux pas sortir si il y a un fil par lequel tu es retenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en position d'une brebis, d'une chèvre. On a mis un lien et on veut que tu fasses le surplace, la routine. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les limites imposées, tu vas les dépasser ce soir au nom de Jésus. Parce que ce lien de la mort là est en train d'être rompu au nom de Jésus. La mort peut agir dans les spirituels, le physique, le finance, le matériel, l'intellectuel, le professionnel et le conjugal. Il y a de certaines personnes qui connaissent la mort dans leur vie spirituelle. Il y a d'autres personnes qui le connaissent dans leur vie physique. D'autres personnes, ils peuvent même mourir physiquement. Soit il est déjà aux portes de la mort. Par des maladies, et par diverses crises. D'autres personnes peuvent connaître la mort dans sa santé financière. Alléluia. Amen. Comme je dis, il y a un lien qui le retient, et lui dans ses finances, il ne fait pas de progrès. Vous voyez cet homme, cette femme, qui ne fait que pleurer et se lamenter sur ses finances. Alléluia. Amen. C'est de même dans les matériels. Alléluia. Amen. Il ne fait que se lamenter dans les matériels. Il rentre dans sa maison, même si c'est une chose qu'il venait d'acheter il y a à peine 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais vous regardez la chose, même la maison n'a plus de vie. Vous sentez que la maison respire l'atmosphère de la mort. C'est comme une maison dont on ne prend plus soin. Alléluia. Amen. Et ça peut aussi être dans l'intellectuel. Une personne qui arrête ses études, pas par elle-même la personne, mais parce que la mort a agi dans sa santé intellectuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on katana en cet
terme là ezako kufa. Alléluia. Amen. Ndepetoba amusala ezalini et kufa. Alléluia. Amen. Et quelqu'un d'autre dans la santé professionnelle, le travail peut s'arrêter. Akobi pa kolando na mosala pe mosala esu ki wana kufi. Alléluia. Amen. Il rentre dans le chômage. Azoki katina kozala mosala. Alléluia. Amen. Mais je crois que ce soir si tu es dedans tu en sortiras au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et il est pris là, il est dans le chômage. Pe azawana. Dans le frais. Et même dans le conjugal. Pe nalibala naye. C'est de même. Et ça peut être mon corps. Soit la mort agit dans sa santé conjugale. Topé, du roi est côté dans l'ibala naé. Le fiancé part. Au moment de s'ibala qui. Les fiançailles sont brisées. L'ibala est coupé. Et même le mariage. Topé, l'ibala est brisé. Et béni. Ou soit même le divorce. Topé, ma caboni. Et a été consommé. Ah, et salémi. Ou même pas, mais un semblant de mariage qui ne dit pas son nom. C'est une forme de mort qui agit dans la santé conjugale de cet homme ou de cette femme. Il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Parce que dedans, c'est le pleur. C'est le douleur. C'est la disparition. Alors voilà rapidement quelques signes. Alléluia. Amen. Le signe c'est lequel? Bilembo esalini. Dans toutes ces santé. Na les signes, bilembo, c'est le perte. Les gens qui ont beaucoup étudié plus que moi, ils comprennent une chose. Que lorsque vous suivez le communiqué nécrologique, qu'est-ce que l'on dit dans le communiqué nécrologique? Nous avons perdu. Où on parle de l'illustre disparu.